Chaque année, pendant que j'étais évêque à Évry, je me suis rendu à la fameuse messe du 11 novembre des Antillo-Guyanais à Paris, à Saint-Sulpice. Eh bien, je me suis rendu encore cette année, c'est peut-être pour ça que j'ai une voix un peu grave, parce qu'il fait moins chaud à Saint-Sulpice dans les églises que dans les églises de Guyane. Et j'ai dû attraper un peu froid, on y restait longtemps. Alors, apparemment, j'avais déjeuné avec cinq jeunes Guyanais de France, de métropole, qui m'ont tous dit eh bien, que ce serait bien qu'on leur signale que des Guyanais arrivent, parce qu'ils sont prêts à les accueillir, à les aider, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit à Paris, et surtout à Montpellier, dans le sud. Il n'y a pour le moment pas beaucoup d'organisations dans le sud. Si vous connaissez des jeunes Guyanais dans ces coins-là, qui sont chrétiens, ces chrétiens-là sont prêts à les recevoir. J'ai été enthousiasmé là aussi par les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai senti qu'il y a une vraie volonté de faire communauté, de rester frères, de vivre dans le monde un peu différent de la métropole, la foi que l'on a la joie de vivre en Guyane. Donc nous avons assisté, nous avons déjeuné ensemble, et puis après nous avons été assistés à la messe, et eux ils ont rendu un certain nombre de services. Et puis nous sommes restés après avec un certain nombre de Guyanais. Moi, j'en connaissais pas mal qui venaient d'Essonne. Et donc, j'ai eu la joie de partager simplement les mots de l'amitié avec eux. Mais ça a été un peu long. Et je crois que j'y ai pris froid.